protecteur des arts et des lettres, bâtisseur de châteaux, fondateur de la Bibliothèque nationale et du Collège de France, François Ier nous laisse aussi l'image d'un roi festif, joyeux, dévorant la vie à pleines dents, qui joua un rôle réel dans l'intégration de la Renaissance italienne à la vie culturelle française.